Hey, salut à toi, et bienvenue pour ce nouvel épisode de Rock Justice, Joie Isaac, Repentance. Aujourd'hui, qui je suis? Bah non. Ah, j'ai cru qu'ils allaient me remettre Bethany Song. Ok. Allez, on prend son sac et on déménage. Hop. Ramasse ton pote, on s'en va. Oh, nice. C'est vrai qu'il peut taper quand il est au sol. Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué ce perso. On peut aller dans la salle maudite gratuit. Ça, je m'en souviens. Parce que le corps est invincible. Nice. Par contre, c'est encore un perso avec que des cœurs d'âme. Donc, il faudra faire gaffe à ça. On vole. On a des larmes. On n'a pas de larmes, pardon. On n'a pas de larmes. T'as pas de larmes. J'allais dire, on a des larmes spectrales. Mais pas du tout. Mais pas du tout. T'as un nonos. Et un gros nonos. Qu'est-ce que c'est? Very nice. Ici, il y a un rocher super spécial. Je l'ai vu, je l'ai vu. Mais il me faut deux bombes pour le péter. Hop, 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 hop. Hey, on fait quoi avec toi? Défi de boss. Salle sombre. Couteau. On peut faire couteau. On va faire couteau. Allez, hop, on va faire couteau. Allez, pour changer. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait les étages d'anti-burf. Je me demande comment ça va marcher. Du coup, je vais... Est-ce que je vais être à pied dans la section du couteau de la mine? Eh bah, excellente question, excellente question. Je ne sais plus comment ça marche. Attends, on a fait avec les garés, donc on devrait savoir. On va emmener ça. C'est vrai que tu peux passer les portes avec ton fantôme aussi. T'es pas obligé de le faire avec ton corps. Comme je ne sais pas ce que c'est, est-ce que j'aurais pas envie de le sucer? Bien sûr que si. Ouais, excellent. Rends-moi ça. Et j'ai pas de bombe malheureusement. Tant pis. Et pef, 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 pef. Tac tac tac. Yes, c'est vrai que la petite corde maintenant elle fait ça. Et on peut se cacher derrière son corps pour bouffer les boulettes, c'est excellent. Pourquoi on n'a pas pu jouer ce perso? Parce qu'on laisse la roue décider, ouais c'est vrai. Ah. Choper au vol, tiens, t'apprendras. Et donc, yes. C'est vrai qu'il se bat avec un stand. Bah, qui est le stand du coup? Est-ce que mon corps c'est le mec qui bouge pas et le fantôme c'est le stand ou... C'est ça la vraie question. Ah non. La crasse. Ce qui me fait peur dans la crasse c'est les boss surtout. Et du coup le truc là qui dit des extra fun, je ne sais pas. Hein, ce que c'est. Oh bonjour. Yeah, classe. Ce boss là normalement ça va je crois. Ce qui me fait le plus peur c'est la colostomie bien sûr. Ça se voit pas mais je tape le boss hein. Si si je te jure, bah là je vole donc. Ah merde. Tu m'as lancé un petit caca dessus. A voir. J'ai vu des dégâts. Et j'ai vu pas de diminution de l'arme ni de vitesse, donc c'est excellent! On peut acheter les pactes avec le démon. Donc ça, c'est un investissement sur l'avenir. On paye 3 cœurs d'âme maintenant, mais après, on pourra potentiellement prendre les pactes sans se faire du mal. Et ça, c'est bien. Là, c'est peut-être la salle secrète. Bref. Oups. Placement désastreux de mon corps. Oups. Ah, vous êtes trop rapide, vous! Yay! Yeah. Oh, c'est vrai! Re-randomiser les stats à chaque fois, ça me fait faire des bêtises pas possibles. Ah, je prends le truc au pif. Excellent!
Ah, excellent, sauf que ça fait quoi avec le nanos du coup? Je dis excellent, mais. Yeah. En fait, je ne sais pas ce que ça fait sur les coups de mêlée. Sur les coups à distance, c'est évident ce qui se passe. C'est comme des larmes, mais. Oups! Enfin, c'est évident, je pense. Mais. Pourquoi j'explore cet étage? Pour le fun? C'est vrai, on n'est pas pressé dans cette partie, ça fait du bien d'ailleurs. Tac, tac. Salut. Sacrifice. On peut aller voir s'il y a des trucs intéressants. Non, d'accord. Bam. Un côté très satisfaisant quand tu lances ton corps et qu'il faut un gros coup de fémur à la gueule de l'ennemi. Ah non. Bah ouais, c'est pour ça qu'on est venu. Ah. Bah, ah merde, c'est vrai. Et bon, c'est sur tes pieds. Tes pieds, c'est ton corps. Oh, j'avais oublié. Ah, je sais aussi pourquoi j'ai fait tout l'étage. Ça y est, ça me revient. Parce que je veux de l'argent. Je veux de l'argent pour pouvoir acheter les packs. Parce que si on arrive à des packs et que les trucs coûtent 15 balles et qu'on peut pas les acheter, ça nous fait une belle jambe. Hey, hop, on se casse. Petit cadeau qui contenait du caca. Merci. Oups. Celui-là va te cracher dessus. Oh, mais c'est cette trajectoire, mais c'est... Je comprends pas, de temps en temps, ils en foutent partout, ils te repeignent toute la salle. Mais pourquoi? Est-ce que c'est parce que je suis en train de me déplacer? Au moment où il tire, et comme il essaye d'anticiper mes déplacements, il fait limp. Pas cool. Attends, on va pas le chercher celui-là. Ouais. Nice. Excellent. T'as bien. Tiens. Rocher spécial, non. Je dis pas non à 5 bombes de plus. Ça nous permettra d'être sûr d'aller à la mine d'ailleurs. Ah. Nice. Ouais, pas nice, pas nice. Ok, mais il nous faut 15 balles hein, pour le pacte, il nous faut 15 balles pour le pacte, c'est important. Barrez-vous. Si je, si j'ai bien compris comment fonctionne cet objet, bien sûr, c'est peut-être la salle super secrète en dessous. Oh ouais, c'est sûr, c'est ça. Oh oh. Tiens. Embêtez pas mon pote. Bam. Gros coup de latte, parfait. Rocher spécial, non. Un peu déçu de pas avoir pu ouvrir le rocher super spécial du premier étage, parce que déjà qu'on en voit pas souvent, enfin, que j'ai du mal à les voir, je sais pas s'il y en a pas beaucoup dans le jeu, mais en tout cas moi j'ai du mal à les voir. Et du coup en voir un et ne pas pouvoir prendre ce qu'il y a dedans, c'est triste. Surtout que ça aurait pu être un gros paquet de cœurs d'âme. Après, des cœurs d'âme, on en a eu pas mal depuis le début. Malheureusement, j'ai pas réussi à beaucoup les garder. C'est un peu dommage. Est-ce que ça pète les deux feux bleus si je fais ça? Ouais. Ça, c'est la salle secrète. Cimère. Nice. Je veux bien plus de chance de pacte, s'il te plaît. Et de la thune. Yes. Parfait. Là, c'est mon miroir. Ok. Ok. Fini d'explorer l'étage. Et on fait le boss pour voir qui c'est. Et suivant qui c'est, on décidera si on le fait aussi de l'autre côté du miroir. Oh, j'ai presque envie de me faire mal pour aller dans la salle de défi de boss. Là. Je l'ai fait. Je suis un ouf. Pas maintenant. Ah, c'est vrai, c'est trois boss de. Enfin, deux boss du coup de cet étage là. Ah, peut-être regretté. Pourquoi tu tapes pas alors que le boss il est à côté de toi? Allez.
Tiens. Ah non, mais reste dessus. Approche, Eternum. Tiens. Yes. Ah, ça va être que du lancer, je pense. Ah, pas rester à côté longtemps. Non. Oh, crève pas. Pas utiliser ma carte, du coup. J'hésite pas trop. Messieurs dames, merci beaucoup. Je conçois que le choix de faire ce défi de boss est assez contestable. Et je dois avouer que je regrette. Parce que maintenant je suis pas à l'aise avec mon demi-cœur d'âme là. Mais bon. Je veux dire, au moins on a autant de chances de mourir dans la dimension normale que dans la dimension du miroir. Donc on aura très envie de faire en entier la dimension du miroir. Oui. Très bien. Allez, parfait. Il reste bien longtemps à côté de moi, vas-y, n'hésite pas. Vas-y, tournoie autour de mon corps. Ça te fait du bien, ça te fait du bien. Yes! Papier du divorce. Nick. Je ne sais pas ce que ça fait, ce truc. Est-ce qu'on peut mettre un cœur rouge dans ce cœur d'os? On saura que plus tard. Attends, j'espère que mon corps est toujours invincible là, parce que sinon ça va être la merde. Pourquoi c'est lui qui a l'apparence de l'égaré? Ça me fait peur ça. C'est bon. Ouf. Gars. Faut que j'aille te chercher, mon grand. Mon grand? Gars! Ok, je suis hyper à l'aise. C'était pas grave. Oups. Ça essaie de reculer dans l'axe du crasher là. Pour être sûr qu'il te fasse pas le truc de tout à l'heure. Stop là. Bef. Ah. Bef. Ok. Yes. Ouf. Ah. Ouf. Ah, vous êtes pas mort. Quoi? Ok, mon couteau. Est-ce qu'on va au boss? Allez, oui! Il faut tenter là. On s'en fout, ça donne des cœurs rouges ça. Nice! Parfait. Sur boulette. Ah, il y en a une petite le long du mur. J'ai perdu le manteau béni. Pourquoi? Parce que j'ai dû toucher une petite sangsue, probablement. Ok, faut faire le boss sans se faire toucher. Yeah. Ah. Ah. Eh bien, bah c'est toujours de la survie pour l'étage suivant, et du coup c'est fort appréciable. Voilà. Allez, viens, on se casse. Et Cassos, on a les bombes pour aller à la mine. Parfait. On va garder nos sous pour les pactes ou on va voir au magasin? On a 6 clés quand même. Hein. Ça peut être bien de voir s'il n'y a pas un cœur d'âme.
Donc les pactes avec le démon coûtent de l'argent et les magasins coûtent des cœurs. D'accord, c'est comme ça que ça marche. Bah ça échange les deux quoi. Ok. C'est fou. D'accord. Combien de fois on a pris cet objet? On n'avait jamais vu ça. Ok. Très bien. Très bien. Je prendrais presque le petit... le papier mystérieux là, juste pour... pour le côté Polaroid éventuel, mais... bon. On va essayer de comprendre ce que fait cette breloque. Tu te demandes si avec Ludovico tu pourrais pas bouger le corps que tu lances depuis tout à l'heure mais sans le ramasser. Aucune idée. Il faudrait qu'on ait l'objet pour savoir. J'avoue que je serais curieux de savoir comment marche Ludovico. Est-ce que ce serait l'os qu'on balade? Comment ça marche avec l'oublié Ludovico déjà? C'est un non-os qu'on balade, non? Je sais plus, tiens. Oh. C'est vrai, les salles dans le noir dans ce niveau, c'est très très sombre. P1, j'adore. Reload, reload. J'arrive. Tiens, je prends mon seul et unique projectile. Alors, les familiers suivront notre corps, hein, d'ailleurs. Il faut s'en rappeler ça. Ça c'est quand même mieux, parce que ça je sais ce que ça fait, ça peut être vraiment très intéressant. Ça peut me redonner une pilule ou... une rune ou une carte que je... que j'utilise. On va arrêter de taper sur les cacas, ça m'ennuie. Trop de synergie possible avec repentance, ouais. Sauf quand il y a le couteau, parce que le couteau c'est de la merde. Joli lancé. On commence par toi. Après si j'arrivais à le placer sur la trajectoire des rails, yes. Ce serait bien parce que regarde. Tef. Approchez, paf. 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 Voilà. Voilà, voilà. Ah. Bonjour, madame. Bien. Deck sacrificiel, ça doit être bon. Ouais, je pense. Je prends mes clés. Attention, il... ah, non. J'allais dire, attention, il te faut deux cœurs d'âme pour aller au mausolée. C'est quand même l'objectif. On fait pas les étages alternatifs juste pour le fun, là. On n'est pas là pour s'amuser, hein. On a un post-it à... oh, merde, qu'est-ce que c'est que ces trajectoires de l'enfer? On a un post-it à remplir, hein. On a des objectifs à atteindre, monsieur, hein. Attention, hein. Sinon... aouh! Je vous refous à la photocopieuse. Ouais, ouais. Je ne sais pas, ça c'est l'idée que je me fais des enjeux du travail de bureau. Quelle idée. Oui. S'il vous plaît. Paf. Non, on fait un... ouh, tiens, une salle secrète. Parfait. Tiens, donne-moi des sous. Nickel. Et oui, 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 oui à tout ce qui vient de se passer globalement. Oui. Ok. Il l'a emmené avec lui. Petit cœur d'âme. Ah mais du coup, comment ça marche? Ça va me prendre un cœur pour me donner un cœur? Bah du coup non. Mais... merci. Oh, 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 attention. Attention, les laisse pas exploser. Yes. Ça tapote, hein. Merde, non. Attends.
Reste au milieu, parfait. Nickel. T'es très bien là. Vas-y, reste là. Surtout ne bouge plus. Nickel. Non, reviens. Merci. Parfait. Ah, on va esquiver, c'est pas grave. Nickel. Parfait. Nickel, parfait. Ouais, ok, super. Ça, c'est du commentaire de qualité, mon Juju. C'est. Yes, il m'ordonne une. Oh là là. Ah, yes, excellent. Alors, la question, c'est quand même. Maintenant qu'on a plein de cœurs, je vais pouvoir tenter ça. Combien ça prend de cœur, ça? C'est un demi ou c'est un? Ah. C'est quoi le truc? Faut aller à la salle du sacrifice? Il n'y a pas toujours une salle du sacrifice dans les étages. Ou alors cet objet en met une systématiquement? Bon, faut tenter des trucs, hein. Vas-y, vas-y, vas-y. Je pense pas que ça marche comme ça, mais... C'est exactement le même symbole, c'est pour ça que je pensais que ça prendrait des cœurs. Ça veut dire autre chose. Ou pas. Est-ce qu'il faut payer un objet pour pouvoir prendre ça? J'ai pas envie de payer 3 cœurs pour une boîte de Pandore dont je ne connais pas l'effet à cet étage-là. Non, bah non, tant pis. En même temps, pour la science. Ah, je l'ai fait, c'est le premier truc que j'ai fait. Allez! Non, c'était pas ça. Ah bah! Oui, merci. S'il vous plaît. Ok, donc peut-être que juste l'objet marche pas avec ce perso. Je crois que c'est ce que je vais retenir au final. On tentera avec d'autres persos. Ok. Gratos. Alors. Oh! Oh! Ok, merci les gars. Oula. Le couteau, c'est ici. Très bien. Fallait me dire si on jouait à Pong. Ok. Zouf. Du coup, j'ai pas besoin de péter le petit gars pour monter mes chances de pacte. Sympa, vous. De l'argent pour un pacte. Un jour j'aurai un pacte. Hein. Oh pas cool. Merci. Parfait. Alors après, avec ce perso, est-ce que les stats sont si importantes? Bon, je peux pas dire non à 11 de dégâts globalement, donc on va garder ça. Mais... Hein? Ah. Alors je crois qu'on a fait qu'une fois à cet étage, non? Une ou deux fois. Je me souviens d'un boss qui nous monte ses fesses. C'est l'image qui me vient là tout de suite. Oui, bon bah écoute. Tu peux critiquer si tu veux. C'est l'image qui me vient là tout de suite. Pourquoi? C'est l'image qui m'est restée. Oh bah écoute, je pense que sur le plan analytique, il y a beaucoup de choses à dire, mais... Voilà, c'est comme ça. Laisse-moi tranquille. Bonjour. Là. Ah, ouh, ah, ia, oh oui. Super, c'était génial. Petite tête de méduse. Ouh. Oh, l'autre, il m'a fait bouger mon corps. J'ai plein de sous pour les pactes, c'est cool. Tiens. Vous faites quoi, vous, déjà? Vous crachez des trucs qui explosent. Ouais, c'est ça. Comment ils explosent? Vas-y, crash. Crash pour me rafraîchir la mémoire, s'il te plaît. Non? Ok. Tant pis pour toi. On avait pas genre 3 tonnes de cœur il y a pas longtemps. Ah, mais j'ai pris la boîte de Pandore, ça. Ah. Bon. Je crois qu'on tape, hein. Moi, je vois ce qui se passe à l'écran et je crois qu'on tape plutôt fort. Oui. Mais c'est très bien.
Je suis très bien. Faut juste pas crever, quoi. Ce qui peut arriver assez vite, quand même. Quit. Il me manque pas un bouton. Est-ce que c'est absolument fantastique ce que je viens de prendre? Je crois que oui, hein. Parce que, bah, en fait, mon corps va faire les dégâts et des faits échargés à colis qui transforme les ennemis en caca ou leur fait des gros dégâts s'il peut pas les transformer en caca. Et donc, bah, je crois que c'est trop de la balle, hein, ce qu'on vient de choper. Voilà. Voilà, voilà. Eh bah, ben écoute, faut juste pas crever maintenant. Je suis passé à côté sans le toucher, ouais, c'est ce que je me suis dit. Mais c'est bon, je l'ai trouvé. Tout va bien. Est-ce qu'on vole ou est-ce qu'on me limite dans mes déplacements? Ah, on vole. Oh, ça va être facile alors. Dit-il. J'espère que j'ai pas tout cassé en appuyant sur ce bouton à l'avance. Je cherche des rochers spéciaux. En avez-vous vu? Non? Attention, t'as repris ta vitesse de base. Ah ah! Cool. Ah, j'ai plus de... Oh bah! Ah merde! Arnaque! Ya! Excusez-moi, je ne fais que passer! Pardon, tut tut! Tut tut! Ok. Bah écoute. Voilà, 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 voilà. On a un couteau maintenant. Très bien. Très bien, très bien. Est-ce que j'irais pas donner des sous aux mendiants? Parce que c'est quand même un mec qui donne souvent des cœurs. Non, on vient au boss. Ah, il va falloir deux cœurs d'âme pour aller à l'étage suivant, quand même. Ça n'aura jamais été aussi vite, c'est clair. Et les sous pour les pactes? Ouais, non, vas-y, vas-y. Allez, viens. Ah, du coup, meilleur perso pour faire le couteau. Hein. Easy. Des petits cœurs d'âme, s'il vous plaît? Ok. Lock up. Pas grave. Pas grave. Tant qu'il n'y a pas de bad trip, on s'en fiche. Cette pilule de soins ne nous fera rien. Eh, c'est lui, c'est celui qui monte son cul, regarde. Il nous a pété dessus, là. Ah. TPV. Nice. Des dégâts. 13 de dégâts, tout va bien, ce jeu est tout à fait équilibré. Pourquoi pas prendre ça pour avoir des familiers, non? Je veux dire, ce n'est que de l'argent, après tout. Et par contre... Ouch. Ouch. Coûte cher d'aller au mausolée, hein. Allez! Allez. Y a-t-il un rocher spécial ou super spécial ou non? Hop! Hop! Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est l'âme de quelqu'un, ça. Donc, c'est un consommable qui va donner quelque chose. Des amis venus de l'au-delà. Ok. Et les âmes, je crois que c'est en faisant des filles de boss et silence avec les persos. Ou peut-être que ça change d'un perso à l'autre, je sais pas. Alors, malheureusement, les potes vont pas rester bien longtemps, mais. Le temps où ils seront là, on sera heureux. À la bombe! Ok. Et... Bien, rocher spécial, non, d'accord. Toute source de cœur d'âme est inestimable là, pour la fin de la partie. Paf! Je peux m'amuser à tirer de loin comme ça avec mon couteau.
Tu t'es fait transformer en petit caca. Tiens. Nice. Extrêmement intéressant. Ça, je vole deux fois plus. Ok, rocher spécial, rocher spécial. Allez, allez, allez. Non, non, d'accord. Ah. Alors, je sais qu'il y a les pactes, hein, mais ça, ça donne des cœurs d'âme. Et les soldes de Steam s'appliquent au pacte. Donc, on n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour acheter tous les pactes qui nous restent dans la partie. Sachant qu'il reste max 2. Avec une chance sur 3 et une chance sur 3 ou 6. Ou 2 sur 3 respectivement. Enfin, ça dépend si on a eu le premier ou pas. Ah. Merci! C'est très gentil. C'est quoi ça? Non, non, mais je vais garder mon truc absolument fumé, s'il vous plaît. Merci beaucoup. On s'arrête à 30? Parce qu'il y a le magasin aussi, quand même. Ah, mais le magasin, on s'en fout, pardon. Après, ça dépend s'il y a un truc qui donne des cœurs d'âme au magasin. Non, ça va être les objets de banque d'objets du magasin, mais qui coûtent des cœurs d'âme. Bon, tiens, on va voir. Ah. Ah, mais alors ça c'est... Non, pas là! Pardon, machine à dons. La diplopie c'est hyper intéressant, parce que si je mets au moins deux cœurs d'âme quelque part, c'est rentabilisé. Et donc en l'occurrence, là où il y a la machine de fortune, c'est potentiellement une très bonne source de cœurs d'âme. Mais ça coûte de l'argent. Et l'argent... Ah. T'es où? Tu fais quoi? D'accord. Ça donne pas des cœurs d'âme le truc à gauche? C'est comme la boule de cristal en moins bien, mais est-ce que ça donne des cœurs d'âme? Est-ce que c'est vraiment que pour ça ou... C'est que ça, c'est nul, hein, quand même. Ah mince, j'avais oublié ça. C'est nombreux d'un coup. Attention au feu violet. Faut que ça s'arrête maintenant. Je comprends pas ce qui fait se multiplier cette... Aïe! Ce qui fait se multiplier cet ennemi, est-ce qu'il se multiplie un nombre de fois fixe ou est-ce que c'est autre chose? Bon, on a fait tout l'étage. Je crois qu'on va pas prendre la diplopie malheureusement. C'est triste, mais c'est comme ça. Rocher spécial, rocher spécial. Na 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 na. 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 Dis donc, toi, tu serais pas une petite salle secrète? Ah. Bah non. C'est quoi ce pilon connu? Ah. Attends. Qu'est-ce que tu es? Attends, pour une bombe là, t'as... Une chance sur 5 d'avoir un cœur d'âme, ça se tente. Ok. Pas de rocher spécial. Vlan! J'adore quand les ennemis sont entassés. T'as l'impression de faire un strike. Ah bah ouais, ça peut donner des trucs, très bien. Ah non, alors ça, on sait pas ce que ça fait. Ça, ça me saoule. Ça prend de la vie. Ça prend de la vie et on sait pas ce que ça donne. Du coup, j'y touche pas. Je le bombe? Je le bombe, tiens. Ah, voilà. Un jour on saura ce que ça fait. Mais pas aujourd'hui. Et je veux pas savoir si quelqu'un sait. Il y a sûrement des gens qui savent depuis longtemps. On a tout le temps de découvrir ce qu'il y a à découvrir dans Repentance. C'est pas parce qu'il y a des gens qui ont déjà fait le 100% trois fois que moi je suis pressé de le faire. Tranquille, tranquille. Vlan. Et Vlan. Nice, nice, nice. Bref. Ah, je me suis lancé la balle dessus. Ah non. Ah, bah mets une bombe du coup. Hein. C'est là, sinon récupérer ton corps, c'est compliqué. On a déjà trouvé la salle super secrète. Ouais.
Bon bah boss. Ah la sirène. Vite. Yes. Merci pour les PV. Casse-toi. Casse-toi te dis-je. Crotte. Go. Ok. J'ai genre 3 cœurs, je crois. Peut-être. Tu mourras? Ouais, bah comme tout le monde, c'est pas. Spoiler! On meurt tous à la fin! Oh merde! Ça ne sert à rien cette carte avec ce perso. Je crois qu'un des meilleurs. Je l'ai pété malgré le bouclier des autres, c'est possible ça? Oui! Ah! Ah, c'était ma dernière bombe en plus, merde! Sucer les ennemis ne m'intéresse pas. Oh, bébé tout pourri! Mais bien sûr, il n'a rien de pourri ce bébé. Merci. Ouh. Et toi, le petit rocher spécial que j'ai vu qui est là. Oui. Merci beaucoup! Bah, du coup, on a 5 cœurs maintenant. Vaut mieux tuer le gros d'abord, hein, parce que si on tue son petit mec et qu'il se met à péter dans tous les sens, là c'est quand même. Zawa, Ludo. C'est quand même compliqué. Merci pour la pièce. Et. Bon, on va couper par là. Oh merde! C'est le cas de le dire. Ah, j'ai plus de bombes. Je voulais couper avec des bombes. Mais t'en as pas. Banana. Ah non! Qu'est-ce que j'ai fait? Du coup, les mouches, elles font 26 points de dégâts quand même. On va aller dans ce petit placard. Si tu veux. Et je pense qu'on va utiliser une carte de mort. Alors, on n'est pas obligé d'utiliser dans la grande salle là, si c'est une salle pas trop dure. Il vaut peut-être mieux la garder pour une salle bien bien chaude du cadavre. Et au cadavre, il y a aussi des pactes avec le démon. Hein. T'as oublié ça, mon Juju, quand même. Yes, yes. Du coup, finalement, ouais, c'est strictement l'effet de la boule de cristal sans la carte. Donc, c'est exactement la boule de cristal, mais pas la boule de cristal. T'as compris? C'est clair comme explication. Viens, on va au magasin. On sait qu'il n'y a pas l'avarice. On sait qu'on peut rien y faire. On sait qu'on peut peut-être donner un peu d'argent. On sait qu'on peut booster nos chances de pacte. Et on sait qu'on peut se barrer. Voilà. Oups. J'adore quand ils viennent faire des câlins à mon corps et qu'ils se transforment en petit tas de crottes. C'est parfait. Ok, merci. Ça, c'est la salle super secrète, mais j'ai plus de bombes. Ah ouais, comme ça, t'es là, toi. D'accord. Carte de force. Je crois que je préfère ça. Pour le boss de fin. Ouais. Ah oui. Ah bah, oh non. Et du contact. Du contact. Pour qu'elle prenne les. Yes! C'est bien! Yes! Allez. Feu. Yes! Je suis tout content! Ça s'est bien passé! Bon. Ah merde. T'as oublié un détail. T'as oublié un détail! Les lasers! Les lasers, t'as pas respecté les lasers, t'es ouf. Yes. Ouh, allez hop. C'est bon ça. Ah, c'est un étage XL. Ah, le pacte, fait chier. De la cadence de tir quand je me fais taper comme ça gratuitement. Bah écoute, je vais le prendre. Aïe. Merde. Par contre, il va être grand l'étage. Ça
C'est un tâche qui peut être compliqué, mais grâce à les Chirichiacolis, grâce à nos 13 points de dégâts et au reste, ça devrait bien se passer. Et grâce au petit gâteau de fortune qui me donne des cœurs d'âme régulièrement, et bah, a pas peur, a pas peur du témoin. Mais bon, en même temps, ce perso est quand même l'un des plus fumés de repentance, je pense. Hein. Pas non plus de grande gloire à y arriver. Mais je suis content, je suis très content que ça se passe bien avec lui aujourd'hui. Ça nous remet bien dans le bain, c'est cool. Excellent, si on peut ralentir le boss tout à l'heure. On pourra pas hésiter à utiliser notre corps comme bouclier anti-boulette hein, d'ailleurs contre le témoin. On pourrait le placer à côté du boss mais pas trop près puis se cacher entre notre corps, enfin avec le boss, notre corps et nous. Ce serait parfait ça. Une salmolite, excellent. Je sais pas pourquoi je fais ça mais je le fais parce que... NON! C'est pas grave. Pas grave du tout. Au. Chiant quand même. Après, grâce au Polaroid, logiquement, je me refais pas toucher, non? Je sais pas. J'espère que le Polaroid, il marche aussi pour mon fantôme et pas que pour mon corps, parce que mon corps, il est tout le temps invincible. Du coup... Je sais pas, on verra bien. De toute façon, c'est fait maintenant. Yes. Et je me suis biché. C'est-à-dire que j'étais comme une biche devant les phares d'une voiture. Voilà. Ah, l'erreur du joueur français. Aïe, quelle erreur, quelle erreur. Grave erreur là. Mais bon. Ça devrait pas trop nous impacter, voire nous permettre de faire des gros dégâts aux témoins aussi. Hein. Après, on n'a pas de modificateur de bombe. Ah si, on a des trucs qui ralentissent. C'est pas forcément si mauvais. Hein. Du coup, grâce au Polaroid, c'est à faire. Tant que les bombes pètent, tant que je suis invincible. Mais je crois que le timing va être pile poil le mauvais timing. Je crois qu'on peut quand même se faire enchaîner. Après ça... Ouais, je sais pas. Je sais pas trop. On verra. On est à la fin. Attends, il y a un boss avant le témoin, quand même. Au fait. Détail qui n'en est pas un. Ouais. Comment je vais faire avec toi? Faut que j'attrape mon corps. J'ai pas attrapé mon corps. C'est bon, je l'ai. Tiens! Ah, nickel. J'espérais que... Voilà, on se fasse pas trop pousser. Par contre, après, là, on va se mettre en dessous, on va le lancer plusieurs fois. Yes. Juggle. Ah, non. Ah, non, mais là, faut pas rester là. Yes. Ah, tu vois, les bombes. Les bombes font un excellent travail. Allez. N'oublie pas ta carte de force. Allez. Pourquoi je me suis placé là? C'est pas là qu'on veut se mettre. Bon, après, là, on tape. Et on bloque zéro boulette, quoi. C'est complètement con. Faudrait que j'aille chercher mon corps. Dès que je me fais toucher, j'utilise le Polaroid pour aller le chercher. Hop. Ah si, c'est bon, tu as vu, le Polaroid, ça dure tellement longtemps qu'on ne peut pas se faire toucher par nos boss. C'est nickel. C'est nickel. Est-ce que je bloque le boss? Nickel. Parfait. Là, les boulettes vont pas passer. Ah si. Attends, il y avait mon corps. J'ai pas bougé, il fallait bouger. Je pense qu'on va le péter d'une force. Là, c'est parfait, on se fait un tunnel. Tranquille. Ça n'a jamais été aussi facile. Yes. Yes. Petit délirium, non? Oh, dommage. J'étais chaud, là. Bon, bah... Victoire! Yes. Oh, j'aime pas cette fin. Give it to me now. This is what you think of me? This is what I am to you? A monster? No, no,
Mama, I've just... After all I've done for you, this is how you view me? You think I'm a monster, Isaac? I'll show you a monster! Mama, help me! No. You are just like your father. I can't even look at you. How could you? You are just like him! Elle est terrible cette fin. Terrible. Eh ben, merci à toi d'avoir regardé cet épisode de Rock Justice. Joyeux Isaac repentant, j'espère qu'il t'aura plu. Et je vous dis à très vite pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.